assez. Place, bonne gens. Justice sera faite. Sergent. Mes hommes ont capturé ces deux Iroquois à l'île Perrault. Si près. C'est de la provocation. Et celui-là prétend être un des chefs Goyogouins. Oreawe. Laissez ces hommes. Cet homme est Oreawe, le chef de la tribu des Goyogouins. Et le messager de son excellence. Accompagnez le chef dans mon bureau. Et dans quel état vous êtes? Mauvaise nouvelle, on en dit. Très mauvaise nouvelle. Venez vite dans mon cabinet. Que l'on traite cet Iroquois avec égard. C'est un allié. Là. Remettez-vous, Oreawe. Que s'est-il passé? Un voyage épuisant. Tout est perdu? Non. Les Yankees viennent attaquer Nouvelle-France. Mais les Iroquois vont rester neutres. Armée est partie d'Albanie et a rebroussé chemin. Escorbut. Nous avons échappé belle. Une flotte, beaucoup de navires ont levé l'ancre à Boston. Le 9e jour du mois des récoltes. Il y en a fou. Il y a 2 mois par conséquent. Les Yankees viennent attaquer Québec. 2 mois. Mais alors, à moins d'un miracle. Oreawe a tout bravé pour prévenir Onontio. Nous rentrons immédiatement à Québec, monsieur Chauvigny. Empressez-vous de former la troupe la plus considérable. Venez vite nous rejoindre. Ne perdez pas de temps. Venez avec nous, Oreawe. Il mouillait à l'embouchure du Saguenay. 30 bâtiments, bien comptés. J'étais aux aguets à Tadoussac. Alors j'ai compris, j'ai tout de suite sauté dans mon canot et je suis venu vous prévenir. Voilà. 30 bâtiments? Et tu es sûr, Pignavel, qu'il s'agit de navires anglais? J'ai pu lire des noms. Tenez, le gros, le navire amiral s'appelle le Six Friends. Et bien, il y avait aussi les pavillons. 30. Tu ne trouves pas le chiffre exagéré? Je les ai comptés et recomptés. Mais c'est une armée redoutable. Au moins 3000 hommes. Mais ils sont devant Québec d'une minute à l'autre. Nous n'allons pas nous laisser faire. D'abord, il faut prévenir M. de Frontenac. Je me charge de l'élection à Montréal. Monsieur de Villeray, vous permettez? Je vous en prie, monseigneur. S'il est vrai qu'une escadre de navires anglais monte le Saint-Laurent, il importe de dépêcher un éclaireur à Tadoussac pour empêcher qu'un navire de France ou de la baie d'Hudson ne soit intercepté par l'ennemi. Monseigneur de Saint-Vallier a parfaitement... Il y a là un danger grave. Reste à déléguer quelqu'un à Tadoussac. J'en arrive, je peux y retourner. Embarcation à tribord. Embarcation à tribord. Châteauguay, va prévenir le capitaine. Matelot, par empanné. Une embarcation vient à notre rencontre. C'est bon, j'arrive. Voilà Pignavel. Salut à tous. Écoutez-moi, une flotte de 30 vaisseaux anglais assiègent Québec. Capitaine, il faut que je vous parle. Viens dans la grande chambre. Daricourt, Père Sylvie, Rebutel, venez aussi. Viens, non, c'est grave.
J'ai croisé la flotte à la hauteur de l'île aux Coudres. 30 navires. Il faut faire vite. La rattraper. L'attaquer. Avant que j'arrive à Québec. Ce serait courir au suicide. 30 bâtiments anglais, un vrai chapelet, 2 lieues de long. Vous pouvez arrêter un navire ou deux, mais pas 30. Non, il faut risquer le tout pour le tout. Mais c'est Québec qui est en danger. Québec est une forteresse. Ses habitants étant prévenus, ils vont se défendre comme des lions, tu penses bien? Justement, justement, il faut en faire autant. Je suis plutôt de l'avis de Pignabel. Un bateau contre 30, c'est pure folie. Non, il serait plus sage de rentrer en France et chercher du renfort. Fuir en France? Quand l'anglais est à nos portes? Mais vous voulez rire, Père Sylvie? Un chrétien ne peut faire ça. Oh, je te jure que je n'en ai aucune envie, Saint-Germain. L'heure est venue de s'abattre, et il faut le faire. Non, écoutez. 30 bâtiments, c'est plus de navires que n'en possède le roi dans toutes ses colonies. Eh bien, nous coulerons leurs bâtiments. Ah oui. Et ils vont couler le nôtre. Oh, eh bien, je voudrais bien voir ça, moi. Oh, mais tu ne verras rien, tu seras dans le fond du fleuve. Suffit. Non, le Père Sylvie a raison. Ce serait courir à une mort certaine. Pourquoi? Un coup de tête? Une bravade? Non, croyez-moi. Il faut parfois reculer pour mieux bondir. Que la Sainte-Anne aille prévenir la cour de France. Et elle reviendra ensuite avec force. Ben, c'est le bon sens même. Ben, il n'est pas nécessaire que nous y allions tous, en France. Ceux qui peuvent pourraient descendre à terre. C'est une excellente idée, Maricourt. Mais elle a un inconvénient. Elle nous prive, toi et moi, du plaisir d'aller ferrailler avec les Anglais à Québec. Nous n'en ferraillerons que mieux au retour. Voici ce que nous allons faire. Je pars en France. Avec toi, Maricourt, Châteauguay, Allemand et Moore. Je garde les matelots. Les autres descendent à terre avec Robutel et Saint-Germain. Préparez-vous, tout le monde, à débarquer. Oh, Dieu de mon Dieu! Mon bousquet a des démangeaisons. Je pars avec vous. Excellence, regardez, ils arrivent, ils sont là. Mais c'est la fin du monde. Je n'en ai jamais tant vu. Mon cher Peuvret de Menu, ne regardez pas si le spectacle vous effraie. Faites plutôt le nécessaire pour convoquer le Conseil souverain et les notables. Il faut bien recevoir l'émissaire de messieurs les Anglais. Oui, Excellence. Dites-moi, est-ce que les renforts de Montréal sont arrivés? Non, pas encore, Excellence. Pas encore. Mon pauvre ami, vous tremblez comme une feuille. Remettez-vous, voyons. Oui, oui. Allez, allez, allez. Oui, oui. We should land our men and attack without delay. I don't agree, Wally. We're in no real hurry about this business. We hold every advantage. 100 guns, 300 seamen, 90 and provisions for 4 months. We can afford to hold out these people until they surrender. Count Frontenac is no fool, mark my word. He'll know the right course to follow and will so instruct our envoy. I rather think you're right, sir. With all the deadly error and superstitious practice on the French side, and all the sound doctrine and scriptural worship on ours, how could Providence hesitate which cause to support?
Whom shall you designate as envoy, sir? Why, you, Savage, of course. You're the only one among us who speaks French. But not fluently, sir. I shall write the message you're to carry. All you have to do is to read it in English to the governor. Don't worry about the reply. They have no choice but to surrender. L'envoyé de l'admiral Phipps. Je désire voir Count Frontenac, the governor. My name is Thomas Savage. Je vous conduis au château. J'ignore si son excellence pourra vous recevoir. Bandez-lui les yeux. Vous êtes donc l'envoyé de cet amiral. Comme fait-il? Sir William Phipps, Knight, General and Commander-in-Chief, in and over His Britannic Majesty's forces of New England, by sea and by land, to Count Frontenac, Lieutenant General and Governor for His Most Christian Majesty in Canada. The war between the crowns of England and France does not warrant the destructions and outrages committed by the French and their Indian allies upon the persons and estates of His Majesty's subjects in New England, under your command and with your encouragement. Thus provoked, and having hitherto avoided all reprisals, they have been compelled to assemble this expedition in order to ensure their own security and obtain satisfaction. Boston se plaint des incursions que nous avons faites à Schenectady. Je sais, il fallait s'y attendre. Desirous, however, of preventing any unnecessary bloodshed and unchristian deeds, the government of the colony of Massachusetts in New England demands you surrender undamaged all your forts and castles, all royal and private stores, as well as the persons of all French subjects, civilian and military. Il demande que votre excellence capitule sans coup férir et cède les forts, les châteaux et les magasins de sa majesté. Vraiment. Should you refuse to accept these terms, I shall with all possible dispatch and energy enforce your submission to the crown of England with all means at my command. The consequences would be such then is to make you regret that you had not availed yourself in time of this offer. À défaut de quoi, ce sera la guerre, et nous nous en repentirons. Your unconditional acceptance is expected within the hour, under flag of truce. Any delay or refusal being at your own peril. Il attend notre réponse dans une heure. Vous ne pouvez pas attendre. Dites à votre général que je ne connais point de roi Guillaume. Je ne connais en Angleterre d'autres souverains que Jacques II. Et quand votre général m'offrirait des conditions plus douces, croit-il que si j'étais d'humeur à les accepter, tant de braves officiers que vous voyez ici voulussent y consentir?
croit-il que je vais me fier à la parole d'un rebelle qui a manqué à la fidélité pour suivre la partie d'un prince qui détruit les lois et privilèges du royaume d'Angleterre et renverse la religion de l'État? Your Excellency still has one hour to think it over. Dites à votre maître que je vais lui répondre par la bouche de mes canons et qu'il apprenne que ce n'est pas de la sorte qu'on envoie sonner un homme comme moi. Allez! Jamais, Charles, jamais, tu m'entends? Je laisserai m'approcher le four et pour le quartier! Et qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il nous arrive du renfort!
C'est Rebutel et Saint-Germain. I must admit it's quite a surprise. I never thought they'd put up such a fight. It is indeed unexpected, sir. You'd have thought 30 ships would suffice to put the fear of God in them. I don't understand. The whole landing party has been captured by the enemy. What a shame. Well, there's nothing for it. We shall have to withdraw the fleet if we don't want it iced in. Thank you.